Fiche-moi le camp. Ah, c'est vraiment ignoble. Encore un fou qui s'est évanoui. Tu vas mourir. Notre devise, un client bien habillé n'est pas timide. Approchez. Ça devrait aller mieux maintenant, mais pas d'imprudence. Jetez un coup d'œil sur les derniers modèles dessinés par le plus cher. J'aurai bientôt d'autres articles. Revenez me voir. Plus personne n'est en sécurité. Je ne tiens pas à être le prochain. Nos articles sont fabriqués dans les meilleures forges du pays. Et moi qui vous prenez pour un homme du peuple. Aidez-nous à mettre fin à ces agissements. Le jour il a mute sa lame. Dans la nuit tombée. Un homme se promène librement. Pourquoi faire ça? Je ne pensais pas que vous aviez assez d'argent. La folie s'est emparée de cet assassin. Il faut l'arrêter. Il va finir par se casser quelque chose. Votre attention. Tous les citoyens de Venise doivent unir leurs efforts et mettre un terme à ces agissements. Où est Emilio? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit? Vous-même? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Éclairé comme la nôtre. Alors, quelle est la situation au palais? À vrai dire, c'est délicat. Mocenigo ne se laisse pas facilement convaincre. J'ai essayé de préparer le terrain, de faire des suggestions. Mais ce n'est pas ma voix. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intimes. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça, Carlo? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Le Doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières modes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flagorneur. Un quoi? Comment m'avez-vous appelé? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte. Dois-je continuer? Bastardo! Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis soumis à de telles pressions au palais. Oh, parce que moi, je suis mieux loti. Messieurs, vous êtes tombés sur les plus jolies filles oui, de la cité. Oui, vous n'avez pas idée à quel point. Vous n'êtes qu'un agent de l'État. Moi, je côtoie le Doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le, vous aimeriez être à ma place. C'est d'accord. Vous avez fini? Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement.
Ils doivent payer. Montrons-nous dignes de Venise et trouvons ce meurtrier. Une chanson ? Un baiser ? Que peut faire une jeune fille face à tout de une grosse brute à déchirer ma robe. Continuons. C'est encore loin ? Vous allez cesser vos jérémiades ? Est-ce que c'est avec mes biens, mes forts, mon valeur ? Par ici, messere ! Venez goûter au plaisir de la vie. D'accord, passe devant. Bonjour, mon cousin. Signor Carlo ? Emilio n'est pas avec vous ? Emilio est mort. Quoi ? Comment ? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment ? Silvio, vous ne le saviez pas ? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but ! Laissez-moi quelques jours, si je peux... Non, nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos plans ? Vous allez pouvoir le lui demander très bientôt. Il a fait le voyage ? De Rome ? C'est ce qu'on dit. Peut-être a-t-il pris une décision. À quel propos, cousin ? Peut-être a-t-il choisi celui d'entre nous qui revêtira l'habit du doge, cousin. Une fois qu'il sera entre les mains de Maître Priuli, j'ignorais qu'il y eut la matière à décision. Le choix me paraît pourtant tout indiqué. Tout indiqué, oui. Ce sera forcément celui qui a organisé toute l'opération, qui a une idée si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, mes amis. Voyons, tout cela est inutile. Puis ce n'est pas vous qui déciderez. Par ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi ? C'est moi qui ai fait toute la sale besogne. Basta ! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir ? Oui ! Signori, il faudrait avancer un peu plus vite. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Ce garde est très précieux, cousin. Combien vous a-t-il coûté ? Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère loquace. Tu crois meilleur que nous ? De vos querelles ineptes. Ce n'est pas à vous qu'incombe le choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair ? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. Ma décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci. C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi, vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Tenez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez ? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro.
Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Léa, mais qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'arsenic très puissante. Stupide! Ou alors, livre! Ah, va bene, va bene. Alors c'est décidé. J'arrive pas à y croire. Quel maladroit vous faites! J'avais les bras chargés de livres, vous ne pouviez pas vous pousser! Belle Giovanni! Ça, c'est une bonne surprise! Bon sang! T'as mes livres de prière! Attention! J'espère qu'ils ne sont pas abîmés! Prenez garde ou vous serez frappé d'anathème! Hé! Vous regardez où vous avez les études botaniques du frère Antonio! Vous pourriez vous montrer plus respectueux de son travail! Bien sûr, vous n'allez rien faire! Oh mon Dieu! Quelle honte! Oh mon Dieu! Déjà que je suis en retard, il va en plus falloir que je m'occupe de ça. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Pazzi étaient bien trop stupides pour... Les Pazzi étaient une famille puissante et respectable, qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Ou les Barbarigo pourraient connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Bene, je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. J'ai fait preuve de négligence. Lui seul pourra m'aider.